Oh,
Nous t'avons pour paix, nous t'avons pour Dieu. Laisse que tu déploies sur nous ton onction et que tu nous rendes capables de pouvoir annoncer l'évangile comme tu le désires ce matin. Parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui le fais par nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Motokoki kobetela mokonzi na bakonzi maboko. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Kombona Yahweh et pambola manatongo lelo. Ce matin merveilleux qu'il accorde à chacun de nous. Tongo kitoko mingi oya pesi mokona mokona biso. Prendre part à un culte chrétien, c'est un privilège, c'est une bénédiction bien-aimée. Koyanga na penza molinga mina mokiliso ezali libakuma lamu ezali penza lipamboli ya lwenge wana. Parce que la vie te sera communiquée. Le miracle s'accomplira dans ta vie. Parce que l'Éternel notre Dieu, il fait des miracles. Je salue l'onction de l'homme de Dieu, l'apôtre Jérôme Anto Kachala. Lui, notre Gamaliel, notre coach. Lui, au travers du ministère de qui nous sommes en train d'évoluer. Que la grâce lui soit comblée sans limite. Je salue la présence des hommes de Dieu, le pasteur qui nous encadre aussi.
Nazo pesa mbote na bozali sami ya bato na nzambe mo bateli pate bazo kamba biso bazali ya na isika Dieu les comble également Ngolu na nzambe etondi sabango pe lokola. Je bénis toi qui m'entends ce matin. Na pamboli yo motozo yo kangana tongo lelo. Toi qui forme l'église sainte de Dieu. Yo motozo sala église sainte ya nzambe. Toi qui es venu aujourd'hui pour célébrer le Seigneur. Yo motoye lelo pona kokumi sankolo. Que la grâce te soit aussi comblée. Ngolu pe tondi sama pona yo. Et que le Seigneur se souvienne toujours de toi. Benkolo akoba kokanisa yo kaka tango nyonso. Comme il s'était souvenu de beaucoup dans la Bible. Ndenga kanisa ki ebele kati na Biblia. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Marc 5. Tozali na mokanda ya Marc chapitre ya mitano. Nous allons lire à partir du 25e jusqu'au 34e verset. Tokotanga kobanda na verset nango ya tukumi bale na mitano kino tukumi satu na minei. Amen. Amen. Vous savez, la Bible dit ce que tu as entendu de moi. Bible le bien te oyo yo ki ponangai. En présence de plusieurs témoins. Na bozali sami ya bazeneneke ebele. Confie-les à des hommes qui soient capables de les enseigner aussi aux autres. Pesa yango na bato oyo bazana makoki ya kotangisa yango pe na bato mesusu. C'est ce que nous allons faire ce matin. Vous allez le comprendre. Le thème, le sujet que nous allons développer, c'est la foi qui s'exprime. Amen. Amen. La foi qui s'exprime. Il y a des gens qui ont la foi, mais une foi qui ne s'exprime pas. Et une foi qui ne s'exprime pas, il est difficile qu'elle te produise des miracles escomptés, espérés. Chrétiens, nous devons savoir, nous devons apprendre, nous devons nous habituer à exprimer notre foi. Moklis esengeli to yoke kola to sala na mumu mesano ya kotali sa kondima na biso. C'est alors que le surnaturel se produira. Ndena yango oyo ya mokili oyo te ekoka ko mimonisa. C'est alors que ce que nous voulons, ce que nous attendons de Dieu. Yango na oyo biso tozo luka obi tozo zela ko lute pai na nzambe. C'est alors que ce que nous espérons, nena wana oyo biso tozo likia, ce que nous comptons vivre touché dans nos vies, oyo tozo zela ko bika ko simba na bomo na biso, selon nos différents problèmes, kolandisa makambo na biso ya ndenge na ndenge, alors que cela va se réaliser miraculeusement, nena yango ekoka kokokisa mapenza na ndenge ya kokamwa. Nous allons le voir à travers quelques exemples que nous avons tiré de la Bible. Toko mona yango na nzela ya bandakisa oyo tobiki kobenda na Biblia. Le premier de ces exemples se trouve dans les textes que je viens de vous donner. Moko ya litato li yango to ya ndakisa yango ezali na kati ya makomi oyo na uti kopesa biso. Le texte où il s'agit de la femme atteinte de la maladie de perte de sang. Ezali talatala oyo makomi ezotala mwasi oyo ya litanga ya makila. Amen. Amen. Nous avions dit Marc 5 à partir du 25e verset. Tolobaki mokanda ya Marc chapitre 5 obanda na verset yango ya tukumi bale na mitano. Nous faisons la lecture. Tobandi kotanga. Or, Nzoka. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Amen. Amen. Là, on nous présente cette femme. Et le problème qu'elle avait. Chacun de nous a ses problèmes. Chacun de nous a ses besoins. Mais pour cette femme, elle était malade.
Une maladie qui avait fait 12 ans. Bokono et Salaki Mbula Zomi Namibale. Pendant 12 ans, elle ne faisait que souffrir. Nambula Zomi Namibale a cette maladie. Une hémorragie qui ne s'arrêtait pas. Makile zo tanga zo katate. Une situation qui ne pouvait pas la permettre d'être considérée parmi les gens dans la société. Une situation honteuse, elle ne pouvait pas rester au milieu des autres. Elle devrait se retrancher, elle devrait être solitaire. Le monde ne pouvait pas accepter de rester avec elle. Abandonnée. Dans son désespoir. Au verset 26, il est écrit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allé plutôt en empirant. Amen. Amen. Là, le verset 26e. Verset 26. Est en train de nous décrire les efforts que cette femme avait fournis. Elle n'avait pas croisé les bras. Elle s'est battue. Elle a donné le meilleur d'elle-même afin de trouver la solution à son problème. Elle avait ses biens. Je ne sais pas si c'était des maisons ou des voitures. Je suis en train d'actualiser quoi. Elle avait des richesses. Elle a mis ça en jeu. Elle a confirmé ce que Satan avait dit à Dieu au sujet de Job. Satan a dit à Dieu, beau pour beau, un homme donnera tout ce qu'il a pour sa vie. C'est ce que nous faisons souvent. Amen. Amen. Cette femme s'est battue. Elle a fourni tous ses efforts. Elle a dépensé ses moyens. Si elle avait des parcelles, elle en a vendu une après une autre. Elle a donné aux médecins. On lui a dit au campus, aux cliniques universitaires, il y a un spécialiste là-bas. Si tu le vois, ton problème aura des solutions. Elle a pris ses moyens, elle a mis en jeu. Elle est partie. Pas de solution. On lui a dit Angaliema. On lui a dit en Afrique du Sud. Elle est partie. Il n'y avait pas toujours de solution. Elle est allée en Inde. Pas toujours de solution. Solution exalité. Et puis, elle était au bout de sa logique. Elle ne savait plus quoi faire. Les biens en question sont épuisés. Mais la situation s'empirait. Si elle faisait l'hémorragie peut-être une fois, deux fois par jour, la Bible dit qu'elle est allée en s'empirant. Donc c'était devenu plus que ça. C'est-à-dire sa souffrance ne faisait que s'ajouter. Là nous comprenons la limitation. La limitation de l'homme, les limites de l'homme, les limites des efforts humains, les limites de l'argent,
les limites des richesses, des biens. Ces choses-là, nous les désirons, certes. Mais ces choses-là n'ont pas, ne sont pas des solutions à tous nos problèmes. Amen. Amen. Peut-être que c'est ton cas. Tu t'es battu pour cette situation-là. Mais les années continuent à passer. Et là, j'ai en train d'avancer. Tu es en train de vieillir. Tu n'avais pas de rides. Les rides commencent à apparaître. Tu es toujours dans cette souffrance-là. Et comme si cela ne suffisait pas, la souffrance s'ajoute. L'argent est limité, bien-aimé. Les biens sont limités. Ne mettons pas notre confiance dans les biens, dans l'argent, dans les richesses de ce monde. Ces choses sont limitées. Celui dont nous avons besoin, la solution à tout, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Celui dont tu as besoin dans ce problème-là, tu veux dépenser tous tes biens, tu n'auras pas de solution. La solution est en Jésus-Christ. C'est lui que nous prêchons ce matin. Et ce matin, il peut t'apporter la solution à cette situation-là. Je ne sais pas s'il s'agit aussi de la maladie. Les médecins eux-mêmes étaient limités. Ils n'en pouvaient plus rien. Comme nous avons toujours entendu, dans les hôpitaux, souvent, il y a des gens qui partent. Tu es malade, on te dit non, ici, ce n'est pas notre... Nous ne sommes pas à mesure, ce n'est pas notre niveau. C'est pas ici, il faut aller ailleurs. Même la médecine, les médecins sont limités. La science, elle est limitée. Il y a des choses que tu ne peux avoir que par le Seigneur en utilisant ta foi. Amen. Amen. Sa souffrance allait s'empirer en s'empirant. C'est comme quelqu'un disait, moi je suis allé chez le féticheur pour trouver la solution à mon problème. Mais voilà que le féticheur, celui que je croyais avoir la solution à mes problèmes, il m'ajoute encore la souffrance en me donnant des exigences qui me dépassent. Moi, je suis parti pour avoir l'argent, pour gagner de l'argent. Mais maintenant, il m'exige de l'argent. C'est comme l'exemple que l'apôtre Odon nous avait donné. Son beau frère. Lui, il a un problème d'argent. Il a perdu son argent. Il arrive là-bas. Pour, au lieu de lui donner la solution, on lui dit, mets l'argent là-bas. Mais moi, je n'ai pas d'argent. Je suis venu pour l'argent. On lui ajoute encore, donne. Et il se bat, il donne. Et on continue, on donne encore. Finalement, j'étais parti pourquoi? C'est que j'ai quelque chose. Amen. 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 Faisons confiance à Dieu. Comptons sur Jésus. C'est lui seul qui a toutes les solutions à nos problèmes. Venez, achetons sans argent auprès de lui. Chez lui, on achète sans argent. On ne paye pas le prix. Si ce n'est que
La foi, ce que Zaliga gâte condiment. Cette foi-là doit être une foi qui s'exprime. Parce condiment n'est pas signé à condiment aux hommes italiens. Parce que le prix a été déjà payé pour nous. Être lifuté, c'est foutamment pour notre Christ est mort à la croix. Christ a couvert qui nous. Il a donné de sa vie. Après ça, qui bon pour que toi et moi, nous puissions entrer en possession. Et cette solution-là, ces choses-là que nous désirons, que nous désirons. Christ a déjà payé le prix. Nous n'avons pas encore à payer le prix. Nous puissions gratuitement. Il y en a à gogo chez lui. Amen. Amen. Alors, le verset 28. Verset 28. D'abord, 27, il est écrit, ayant entendu, après avoir fourni les efforts, et ça n'a pas marché. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, amen. Amen. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Car elle disait, il faut dire, bien-aimé, il faut exprimer sa foi en disant des choses, en disant ce que tu espères, ce que tu veux là. Tu dois le dire, l'exprimer. Cette femme-là, ça commençait par là. Elle disait, et le temps qui est employé ici, l'imparfait, il y a une nuance. Si on disait, elle avait dit ou elle a dit, et elle disait, il y a une nuance qui différencie ces idées-là. Na une même idée, une même pensée, et il y a quelques nuances. On n'a pas dit, elle avait dit. On n'a pas dit, elle a dit. On a dit, elle disait. L'imparfait. Et donne une idée de la continuité, de la répétition. Amen. Amen. Par contre, les autres temps, plus que parfait ou passé composé, il n'y a pas de répétition, c'est ponctuel. C'est ponctuel, pas, mais dans le passé, tout. Toutes les deux idées expriment des choses qui se sont passées déjà. Mais le passé composé ou le plus que parfait, passé composé, tout plus que parfait. Elle avait dit. Tango malobi était à l'obati. Dans le passé, certes. Mais c'est une action ponctuelle, ça s'arrête. C'est comme une fois. Mais ici, quand on dit, elle disait, on veut nous montrer que cette femme-là répétait ça. Elle répétait quoi? Ce qu'elle croyait. Elle répétait sa foi. Elle répétait ce qu'elle espérait. Elle espérait la guérison. Elle voulait la guérison. Et elle dit, elle disait avec répétition ce qu'elle désirait, ce qu'elle espérait. Je serai guéri si je touche. Je serai guéri si je touche. Je serai guéri. Amen. Amen. Et voilà, le miracle s'est produit. Pourquoi? Parce qu'elle disait, c'est ce que
elle disait que cette femme-là a vécu. Amen. Amen. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Amen. Au même instant, ce qu'elle avait dit, ce qu'elle disait avec répétition, son espérance qu'elle était en train de répéter, au moment où elle a posé l'acte, les choses se sont passées exactement comme elle le disait. Le miracle s'est produit. C'est pourquoi je t'invite. C'est pourquoi j'ai intitulé la foi qui s'exprime. Exprime ta foi. Aie l'habitude d'exprimer ce que tu espères. Dis-le sans cesse. À quiconque veut t'entendre. Dis-le à toi-même. Dis-le à toi-même. Amen. Amen. Dis-le, répète-le. Et le miracle va se produire. Les choses arriveront comme tu es en train de le dire. L'apôtre a toujours été éloquent là-dessus. Beaucoup d'exemples qu'il nous a toujours donné. Amen. Amen. Les choses qu'il disait. Qui était l'expression de sa foi. Une foi qui s'exprime. C'est celle-là qui produit le miracle. C'est celle-là qui nous donne ce que nous, ce dont nous avons besoin. Amen. Amen. Un des exemples de l'apôtre me vient. Alors qu'il était dans la souffrance. Il disait à Maman Philo, un jour je vais te conduire dans une grosse jeep. Amen. Amen. Il disait pas ce qu'il voyait, pas ce qu'il vivait, mais ce qu'il espérait, ce qu'il comptait vivre par la puissance de Dieu. Et un temps après, ces choses se sont produites. Exprime ta foi. Dis des choses sur toi-même. Dis des choses sur ta famille. Dis des choses sur ton emploi. Tu entres dans ton bureau. Dis des choses sur ton bureau. Dis des choses sur ta fonction, sur ton poste. Dis des choses sur ton entreprise. Des choses que tu espères, ta foi, c'est quoi? Exprime ces choses-là, bien-aimé. C'est comme ça que le chrétien qui vit par la foi doit vivre. Ne regarde pas les réalités. Ne tiens pas compte de ce que tu es en train de vivre ou de voir. Dis des choses sur ce problème-là qui te tourmente. Sur cette situation-là. S'il s'agit d'un célibat prolongé. Ce que je t'ai appelé un célibat est prolongé. Même si pour tout le monde c'est fini pour toi. Mais ça c'est pour eux. Mais pour toi, dis des choses sur ta, ton mariage, sur ta vie. Dis des choses sur ta femme, sur ton mari. Amen. Amen. J'interpelle nous les Congolais. Arrêtons de dire de mauvaises choses sur notre pays. Amen. Amen. Parce que nous sommes chrétiens, nous avons la foi, nous confessons ces choses-là. Après, nous serons le premier à nous étonner, à nous plaindre. Ce pays, c'est toujours comme ça. Si mais vous la maudissez. Même si ça ne marche pas, ne dis pas de ta bouche que ça ne marche pas. Depuis que j'écoute ces choses de l'apôtre, j'ai changé mon langage. Si ma femme ou quelqu'un
autre me demande l'argent. Ce qui moi si n'agato moto moko boya singi ngambongo. Et que je ne veux pas lui donner. Pena lingi ko pesa yete. Ou je vais donner après. Pena lingi na pesa yete manatango. Je ne dis plus jamais je n'ai pas l'argent. Na lubagate te na zas ngambongo te. Amen. Amen. Il ne faut jamais confesser que tu n'as pas l'argent. Ko tato la tete. Parce que tu n'as jamais aimé ne pas avoir l'argent. Parce que ton espérance n'a jamais été de ne pas avoir l'argent. Ton espérance, ta foi a toujours été qu'un jour Dieu va me bénir, j'aurai de l'argent. Même si aujourd'hui tu n'en as pas, ne dis pas des choses comme ça. La foi qui s'exprime ne parle pas ainsi. Amen. Amen. La foi qui s'exprime. Continuez à m'italiser ça. Et je dis toujours. Alors, bagatan, on y est où? Je n'ai plus la, je n'ai pas l'argent pour ce problème-là. Nasa nambongote pona likambuana. Amen. Amen. Donc pour le problème que tu me poses là, je n'ai pas l'argent. Pona likambo je confirme pas que je n'ai pas l'argent. Nazo lobate que naza ngimbongo. Kasinde pona likambuana. Lokola linga sala ngote. Naza nambongo te pona likambuana. Amen. Amen. Tout cela pour éviter d'exprimer des choses négatives sur moi-même. Nyoso na pona koboya koloba makambo ya mabe likolo ya bomo enanga moko. Cette femme a dit des choses sur elle-même. Et les choses sont arrivées exactement comme elle avait dit. Au verset 30. Parce que vous savez, quand vous dites des choses, vous exprimez votre foi ainsi. Par rapport à telle ou telle autre situation, il y a dans le monde invisible des choses qui sont mises en branle. Il y a des choses qui vont se passer, mais que tu ne vois pas, mais que tu vas vivre après un temps. Au verset 30, au verset 30, Jésus, on dit Jésus connut aussitôt à lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Wow. Est-ce que vous avez compris ça? Elle a touché physiquement, après avoir prononcé, confessé, que si je touche, je serai guéri. Et la Bible dit au même instant, Christ a senti qu'une force est sortie en lui. Cette force-là n'était pas visible. Cette femme-là n'avait pas vu cette force-là. Les gens qui étaient autour de Christ n'avaient pas senti ça. Ils n'avaient pas vu ça. Personne n'avait vu ça. C'est dans le monde de l'invisible, dans le monde du surnaturel, à cause de ce que cette femme avait dit, à cause de ce que cette femme disait, dans le monde de l'invisible, qui est la source de ce qui se passe dans le monde visible, là-bas les choses ont commencé à se mettre en mouvement. La force est sortie. Ce n'est pas Christ qui a sorti la force. C'est cette femme par sa foi qu'elle a exprimée. Elle a attiré dans l'invisible. A béni na mokilo zomo na te. Bien aimé, tu peux attirer la solution à ton problème. Tu peux attirer la solution à ton problème. En disant des choses que tu espères. Tu es en train de les attirer. Tu es en train de mettre en branle le monde de l'invisible. Tu es en train de mettre en branle. Tu es en train de mettre en mouvement le monde surnaturel. Et qui ne sait pas que c'est tout vient du monde invisible. Amen. Cette femme
ne comprenons pas toutes ces choses. Mais toi et moi, nous les comprenons. Nous savons aujourd'hui que nous pouvons entrer dans le monde invisible. Oui, tu peux aller dans le monde invisible. Par ce que tu es en train de dire sur toi ou sur toi. En mettant ta foi en Christ. Tu peux entrer et prendre ton mariage là qui n'est pas encore visible. Tu peux aller dans le surnaturel et attirer, prendre ton mariage, ton emploi, le poste que tu désires. Tu peux aller. Comment? À travers ces choses que tu dis. Et le dire avec répétition. L'apôtre nous a toujours répété ce passage-là de Hébreux. Retenons fermement. Retenons fermement quoi? La profession. La profession de notre espérance. Tiens fermement. Simba c'est-à-dire, ne lâche pas. Cette femme, elle disait, avec répétition, jusqu'à ce qu'elle a vécu ça. C'est-à-dire, depuis le moment où elle a compris qu'il n'y a pas de solution ailleurs, la solution elle ne faisait que dire. Même quand elle partait là, dans la foule là, ça veut dire qu'elle était en train de dire ça. Que je serai guéri moi. Je serai guéri moi. Bien aimé, tu seras marié. Tu vas te marier. Tu vas monter et descendre dans les avions. Tu vas devenir riche. Tu vas aussi avoir des moyens. Je suis en train d'appliquer la parole. En disant des choses sur toi qui m'écoutent. Bien-aimé, la maladie va te quitter ce matin. Bouligami. La maladie Bokono, va te quitter ce matin. Cette maladie-là qui a tourmenté ta Bokono vie. Bokono wane yo cette hypertension-là. Hypertension wana. Ce diabète-là. Diabète wana. Même si on dit qu'elle est de la famille. Attends, qui elle va quitter. Ekotika yo. Amen. Amen. J'ai dit que cette maladie-là quitte ton corps maintenant. Je suis en train d'exprimer ma foi maintenant. Je suis en train de dire ce que j'espère sur toi. Que les portes qui étaient fermées devant toi s'ouvrent maintenant. Que les portes s'ouvrent maintenant devant toi. Que les portes s'ouvrent maintenant devant toi. Et que tu montes. Amen. Amen. Et quand Christ disait que qui m'a touché, les disciples pensaient qu'il est en train de délirer. Parce que, oh mais ce monsieur, il déraisonne. Ça commence à ne pas. Pourquoi? Parce qu'il est dans la foule, la logique humaine, bien-aimé. Ne tient pas compte de la logique humaine. Tiens compte de ce que je suis en train de te dire. Je te dis ce que la parole dit. Retenons fermement la profession. Professe. Tatola. Ne tiens pas compte de la logique. Amen. Amen. Si cette femme avait tenu compte de la logique, elle se butera beaucoup d'obstacles. Au milieu des gens. Elle n'a pas tenu compte de ça. Amen. Ne tiens pas compte du raisonnement. Kota la ten lo lenge ya makani sindenge zalaka.
du raisonnement humain, de la logique humaine, de la logique scientifique, tu vas passer à côté de ton miracle. Amen. Amen. Un deuxième exemple que nous allons sur lequel nous allons parler d'une manière superficielle. La femme cananéenne. Moi, yamboka ya kana. Il y a une phrase qui m'a encore tiqué. Nous sommes toujours dans Marc chapitre 7e. Tous ainsi que dans Marc chapitre na yango ya sambo. Verset nango 25 à 30, mais nous allons lire 25 qui nous a 30. Nous allons lire le 29e verset. Tokotanga verset 29. Il s'agit de l'histoire de la femme cananéenne. Ezali lisolo ya mwasi ya mboka ya Cana. Cette femme qui n'était pas d'origine juive. Mwasi azala ki te moyuda. Mais cette femme a obtenu son miracle. Kasi mwasi azaki le obiko na ye. Une bénédiction dont elle n'avait pas droit. Mais elle a obtenu ça à cause de ce qu'elle avait dit. À cause de ce qu'elle disait. Amen. Amen. Elle a demandé à Christ, elle a prié à Christ de pouvoir guérir sa fille qui était possédée. Et la réponse de Christ, une réponse décourageante. Christ a dit, c'est pour les enfants de la maison. On ne donne pas, on ne jette pas le pain des enfants aux petits chiens. Cette femme-là va dire des choses. Même là où tu penses que tu n'as pas droit, tu peux posséder ce droit-là. Même si là où il y a des obstacles, des murailles devant toi, tu peux passer à travers ces murailles-là. Par ta foi que tu seras en train d'exprimer. C'est ce qui s'est passé avec cette femme. Elle répond à Christ. En disant. Elle dit oui. Même si tel est le cas. Mais le petit chien là. Là en dessous des tables. Il mange quand même. Ce qui tombe. Ce que les enfants tombent là. Donc ils prennent aussi quelque chose. Donc tu dois me donner aussi quelque chose. Comme étant le petit chien là. Christ entend ça. Il dit ce que nous lisons au verset 29e. Alors il lui dit, ça c'est Christ qui parle. Au verset 29, Marc 7:29. À cause de cette parole. Amen. Amen. À cause. Kaka pona. De cette parole. L'iloba oyo. Le mot est sorti de ta fille. Démon abimi na nzoto ya mwana ya mwana. Donc, c'est la parole. Ezali le liloba. Cette femme. Ya mwasi oyo. Elle disait. Ezali oyo azali koloba. Qui lui a produit le miracle. De yango e botisi e bikama. Ce qu'elle a exprimé. Oya talisi. Bien aimé, tu exprimes ta foi comment? Molingami otali sa kondi mana yo ngeni. Il faut prendre l'habitude d'exprimer ta foi. Et singelo jamo mesa ne kotali sa kondi mana yo. Kotali sa ozoli ka. Comme espérer la délivrance de sa fille. Moi je sais que otali sa pesa kondi. Kokango la mama sa ye. Fermer la porte. Atako bakanga ki ekuke. Akoti ikuta ko. À cause de sa parole. Kaka pona lilo bana ye. Christ ne pouvait plus résister. Christ ko kotele masu. Le monde de l'invisible. Mokili ya moli ozomona na te. C'est au même moment que sa fille, là où elle était restée, c'est-à-dire que le monde de l'invisible, au moment où elle a prononcé ses paroles, au moment où elle a dit ses
paroles, Christ même reconnaît à cause de cette parole, ta fille est délivrée. Amen. Tes paroles sont comment, bien-aimés? Tes paroles sur ton problème là sont comment? Nous allons voir quelqu'un d'autre. Lui qui a dit aussi des choses. Mais des choses que lui-même n'espérait pas, ne voulait pas. Il ne faut jamais dire des choses que tu n'aimes pas vivre. Parce que le monde de l'invisible va se mettre en branle, en mouvement, et le monde là va produire ces choses-là. C'est le patriarche Abraham. Nous sommes dans Genèse. Genèse 12. Chapitre Nangoya Zoumi Nami Balé. Genèse 12. Genèse, chapitre Nangoya Zoumi Nami Balé. À partir du 10e verset. Kobandana Zela Nangoya Zoumi. Jusqu'au 20e. Kino na Tukumi Balé. Mais nous allons lire quelques passages, mais vous prenez 12, de 10 à 20. La Bible dit, il y eut une famine dans le pays et Abram descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Un problème s'est posé à sa vie, il est entré en difficulté et il a décidé d'aller en Égypte. Mais voilà ce que cet homme, l'erreur qu'il va commettre. Dans la seconde, il va vivre ce qu'il avait dit. Mais qui ne pouvait pas lui faire plaisir, qui ne pouvait pas le rendre joyeux. Parce que c'était des mauvaises choses, des choses négatives. Ne confesse pas des choses négatives sur toi, sur ta vie. Au verset 11e, la Bible dit ceci. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Vous comprenez ce que cet homme dit? Ce qu'il professe de sa bouche. Que sa femme et lui-même disent en Égypte. Et moi, à cause de sa peur, ils disent, il se convient avec sa femme, disons que tu es ma soeur. Parce que si tu dis comme ça, comme toi tu es belle, alors les Égyptiens vont m'épargner la vie. Ils ne me tueront pas. Et puis ils me traiteront bien. Et j'aurai la vie sauve grâce à toi. Donc la vie sauve, ce n'est pas grâce à un homme. La vie sauve, le salut, c'est dans le nom de Jésus. La solution, c'est dans le nom de Jésus. Alors, ils arrivent en Égypte. Verset 14e. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle, comme il le disait, n'est-ce pas? C'est ce qu'il disait, non? Les Égyptiens ont vu. Et les grands de Pharaon le virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. N'est-ce pas ce qu'il disait? La Bible dit que Pharaon a traité bien Abraham. À cause de Saraï. Exactement comme il l'avait dit. Amen. Amen.
il y a une puissance dans tes paroles. Et ça n'a pas quand c'est dit. Par la foi en Christ. Nazela na kondima kati na Christ. Par la foi en Christ. Nazela kondima kati na Christ. Nous avons dit la foi qui s'exprime. Yangwana tolobi kondima ozo mitalisa. Abraham a dit. Abraham a lobi. Que et on va me traiter bien si toi tu dis que tu es ma sœur. Bakoba telanga malamu soko lobi ozande konanga mwasi. Et quand ils sont arrivés, effectivement, les Égyptiens ont vu que la femme était belle. Parce que lui avait dit ça. Et les Égyptiens ont traité bien Abraham. Ils lui ont gardé la vie, on ne l'a pas tué. On lui a donné des biens. Beaucoup de biens. On l'a traité, on lui a épargné la vie. Exactement comme il l'avait dit. Amen. Amen. Alors faites attention. Bosala keba. Contrôle ton langage. Dala malobozo loba. Dis des choses sur toi, des choses que tu espères. Loba biloko likolo na biloko ezolika. Abraham lui a dit des choses qu'il n'espérait pas, qu'il ne voulait pas vivre. Abraham ya le biloko azako liki ate biloko azako lingate kobika. Et il a vécu ça. Pe abiki yango. Et il a vécu ça. Abika ki yango pe. Le monde de l'invisible est chargé de pouvoir exécuter ce qu'il avait dit. Il a professé. Ne professe jamais la petite vie. Ne professe jamais de petites choses. Si tu as la foi de grandes choses, il faut exprimer cette foi-là, il faut le dire. Tu espères un jour avoir un gros véhicule, il faut le dire. Tu espères devenir autorité dans ce pays un jour, il faut le dire. Parce que tu espères un jour construire un grand bâtiment. Il faut le dire. Il faut l'exprimer. Amen. Amen. C'est comme l'exemple que j'avais témoigné ici une fois, quand on est parti avec l'apôtre à Mbujimayi. Je le disais avant que lui-même ne m'en parle, ne me le propose. Je le disais. Et je me faisais même un dessin dans mon esprit, dessin quand je vais arriver, on ira avec l'apôtre. Quand je vais arriver, je vais aller dans mon quartier. Je vais voir des anciens qui sont là-bas. Et je me faisais un dessin comme ça, mais que j'ai exprimé. Et vous êtes témoin que nous sommes avec l'apôtre à Mbujimayi. L'apôtre ne savait pas ce que je faisais. Mais il prêchait ces choses-là. Et moi j'ai appliqué ces choses-là. Et ça m'a produit le miracle de ce voyage-là. Après beaucoup d'années que je n'étais pas parti pour Mbujimayi. Cette muraille-là s'est affaissée. Pas à cause de mes paroles que je disais. Amen. Amen. En conclusion, nous allons dans Romains. Nous allons Mukanda en Romains. Romains. Nous allons Mukanda en Romains. Chapitre 10e. Chapitre Nango Zomi. Romains 10. Romains chapitre Nango Zomi. Verset 8 à 10. Verset à Mwambe qui nous zomi. Ça, c'est le conseil que le Saint-Esprit est en train de nous donner
Oezali toli oyo molimo santo azana katina ko pesa biso. La Bible dit ceci. Biblie zolo baboye. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Tu as la foi. La foi est en toi. Mais à travers cette foi-là, la Bible te dit, la parole est près de toi. Lâche cette parole-là de foi. La parole est dans ta bouche. Quelles sont les paroles qui sont dans ta bouche? Ça doit être des paroles de ce que tu espères, pas de ce que tu n'espères pas vivre. Sengeleza la maloba ya biloko ezoli kae, biloko ezoli kate ko. Tu n'espères pas vivre, ne le sors pas de ta bouche. Ezoli kate ko bika ko bimisa yango te na monoko na yo. Or, c'est la parole de la foi. Ezande li loba ya kondima, elingo loba boye. Nous sommes en train de parler de la foi qui se et la parole dit cette parole là qui se trouve près de toi. C'est la parole de la foi. Cette foi que nous prêchons. Que je suis en train de te prêcher ce matin. Cette parole-là est à côté de toi. Cette parole-là est en toi. Comme pour la femme cananéenne. La parole est en elle. Elle a libéré la parole. Et le miracle se produit. Ce que tu peux espérer, elle l'a vécu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, ce que je veux t'attendre la monoko na yon kolo, ce que je veux t'attendre, il faut confesser bien aimé. Sengeli kota to la moli gamin. Nous devons apprendre à confesser. Sengeli to yé kola kota to la. Et au verset 10e on dit, verset la zone car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Amen. C'est en confessant de la bouche. Ta bouche. Qu'elle soit utilisée. Et pour créer ta vie, la vie que tu veux avoir. Parce que c'est là ton espérance. C'est alors que le salut viendra. Comme il est dit, c'est en confessant de la bouche. Et je te propose quelques paroles. Quand tu n'as pas de paroles qui viennent de toi-même. La Bible est pleine de paroles que tu fais à chaque fois réciter comme Dieu a dit à Josué. Les paroles, toujours les paroles de ce livre, ne fasse pas quoi, ne s'éloigne pas de quoi, pas de ta tête, pas de tes mains, pas de tes yeux, mais que ce livre, les paroles de ce livre, ne s'éloigne pas de ta bouche. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Et voici quelques paroles que j'ai sélectionnées, il y en a plein. Il est écrit, ça tu peux aussi à tout moment le répéter. Il est écrit ceci, Christ a effacé l'acte dans les ordonnances. Nous condamnons les ordonnances des sorcières, les ordonnances de la famille, les ordonnances de ta tribu. Il te condamne. La Bible dit Christ a effacé l'acte. Et qui les actes qui nous condamnaient, Christ les a effacés. Christ soyez à longoli, ma misa le zaiko kangabiso ne tumbo.
il les a cloués en les livrant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Les forces qui dominaient sur toi. Les gènes de la famille. Les maladies qui dominaient sur toi. Ces mirailles-là qui dominaient sur toi. Et ces esprits-là qui prenaient, qui avaient le contrôle sur ta vie. Christ a dépouillé. Christ a longoli en la makasi. A longoli bobo konzinyo soana. Il les a livrés publiquement en spectacle. Atali sango pena nan poisa. Cette parole, tu peux la prendre. Et marche avec ça jour et nuit. Tu la répètes. Tu la répètes. Tu verras comment le monde de l'invisible. Une autre parole. Il est écrit. Et comment? Je ne mourrai pas. Je vivrai. Nakobika. Je raconterai les œuvres de Dieu. Je vais me sentir menacé par la mort. Prends cette parole. Cette parole. Je vais prendre avec répétition. La mort ne t'atteindra pas. Une autre parole. Voici le méchant. Tala mota mota mabe. Par le mal. Azo bungisa mabe. Azo luka mabe. Et il fait quoi? Il enfante le néant. Pe azo. Voici le méchant. Tala mota mota matanza. Le méchant dans ta vie. Ce que ça bato mabe na moyo ila yo. Biblia lobi. Voici le méchant. Tala bato mota mabe. Azo bungisa mabe. Bazo bungisa mabe likolo na yo. Il fait quoi? Il enfante le néant. Et tala si quoi azo bota nini? Azo bota libulu kini. Azo fongola libulu. Poyo kota. Azo tombola libulu. Poyo kota nini zo salema. Bango moko bazo kota na kati na libulu ya yo. Non, ces paroles-là, bien-aimé, marche avec ça. Dis cette parole-là, ta situation, et enfin, il est écrit, je marcherai devant toi, je planirai le chemin pour toi, je tromperai les portes des reins, je briserai le verrou de fer, et je te donnerai à toi, je te donnerai à toi, Amen. Acclamons le Seigneur. Oui, ça veut dire qu'il faut seulement appliquer la foi. Amen. Amen. Ça ne demande pas de prier. Il faut seulement exprimer sa foi. Il faut confesser. Nous avons quelques communiqués avant de passer aux offrandes. Tous les bien-aimés, frères et sœurs baptisés dernièrement sont priés de rencontrer l'ancien Freddy après le culte. À la fin du culte, tous les pasteurs, les anciens, les diacres seront en réunion avec l'apôtre.
Nous allons maintenant donner des offrandes. Nous sommes dans une assemblée des chrétiens. Dans l'assemblée des chrétiens, il y a tout. Il y a l'adoration, il y a la louange, il y a l'intercession, il y a aussi les offrandes. Les offrandes, nous devons les préparer à partir de la maison parce qu'elles sont aussi très importantes. Il faut aussi la foi là-dessus. La foi. Vous croyez que quand vous donnez, vous êtes en train de s'aimer et vous allez récolter. Vous s'aimez peu, vous récoltez peu. Vous s'aimez beaucoup, vous récoltez abondamment. C'est la parole. La foi vient de ce qu'on entend. La Bible est vraiment éloquente là-dessus. Vous semez peu et vous récoltez peu. Et celui qui arrose sera arrosé. Il faut aussi confesser que je veux arroser, maintenant je serai arrosé. Donc ce n'est pas seulement ce qu'on doit aller prendre. Mais il faut aussi la foi que quand je sème,